Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien et aujourd'hui on va faire si je touche, j'achète à l'aveugle. Donc c'est parti! Donc j'avais fait cette vidéo je crois en décembre et oui, elle avait atteint 1,6 million de vues. Donc c'était vraiment énorme, donc on a décidé de vous le refaire. Voilà, donc on espère vraiment que ça vous plaira. Oui, donc on va commencer par la première manche. Alors Luna, oui. Déjà, tu vas me donner tes lunettes. Parce que sinon je vais tricher. Je vois tout flou. Oui, et tu vas mettre le bandeau. Donc voilà, c'est sûr. Pour que ça aille... Fais les doigts. Plus facilement. Non, les doigts ça sert à rien parce que même si on fait les doigts, on peut dire qu'on triche. Voilà, donc tu vas... te décaler un petit peu, essaye d'avancer vers moi, voilà, stop, tu vas tourner trois fois, allez vas-y, je te suis, c'est pas grave, de toute façon, si on sépare, si on n'aimera pas et tout, mais on va quand même les acheter, mais sauf qu'on les donnera aux associations. Voilà, on les offrira à des associations, exactement. Trop mignon ce petit bébé qui parle. En plus, c'est un VTEC. Et c'est pour les bébés de 0 à 36 mois. Donc voilà. Bon, du coup, on passe à la manche suivante. C'est parti! C'est parti! Ça va? Oui? Donc, tu vas tourner... Hop, trois fois sur toi. Un, deux, trois. Et vas-y, tu peux essayer d'attraper quelque chose. T'as touché quelque chose. Ça, c'était, si j'aurais touché chat il y a des années, ça serait pour moi. Ah oui, ça aurait pu être pour toi il y a quelques années, c'est vrai. J'avais beaucoup de poupées. Ah mais tu ne joues plus à la poupée malheureusement. T'es grande. C'est des pyjamas de bébé. Voilà, donc des vêtements pour les poupies de la marque Queen Needles. Ben, ça sera aussi pour les associations. Voilà, ça sera pour les associations également. Déjà, c'est que pour les filles. Voilà, c'est ça, que pour les petites filles. Bon, c'est bien, au moins, elles vont être gâtées. Oui. Donc, on part sur la troisième manche. Oui, c'est parti. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais emmener Luna dans des rayons. Ça, mais elle aura les yeux cachés, comme ça, elle ne saura pas du tout où elle se trouve. Et comme ça, ce sera plus drôle. C'est vrai. Bon, alors, je vais me reculer un petit peu. Vas-y, tu tournes trois fois. D'accord. Un, deux, trois. Alors là, je crois que tu as touché deux trucs en même temps. Oh, il me semble que tu as dû toucher ça et que tu as touché les ciseaux. Oh, ben. Ça sera pour ma lune. Waouh! Ah oui, ça c'est vrai que ça pourra être pour tes petits frères. Parce que là il y a un petit livre où ils pourront lire. Et à la fin ils pourront jouer avec ça et ça. C'est vrai. En plus c'est bientôt leur anniversaire. Oh bah ouais, je vais leur offrir à leur anniversaire. Ah bah voilà, t'as trouvé leur cadeau d'anniversaire du coup. Bah, ils vont adorer hein. Ouais, je vais leur offrir ça. Mais je pense qu'ils auront plus aimé, pense avoir. Ah oui, là il y a plein de choses Cars comme tes petits frères aiment. Je pense qu'ils auront plus. Ah, je crois qu'ils ont. Ouais, moi aussi j'aurais pensé ça, tu vois. T'as pensé à la même chose que moi. Mais bon, bah, regardez déjà, ça met comme ça. Ouais, c'est en fait, à partir de 3 ans, donc en plus ils auront 3 ans, donc c'est parfait. Et en fait, là il y a un tapis comme ça, et il y a des voitures, et en même temps vous pouvez lire l'histoire et jouer aux voitures. D'accord. Bon, bah, on va faire une prochaine manche. Oui, c'est parti. T'es prête? Oui. Vas-y, tourne trois fois. 1, 2, 3. Tes rayons garçons. Bon bah ce sera pour l'association ou soit pour My Name. Voilà, je pense plutôt pour l'association. Parce qu'ils vont pas jouer avec ça parce qu'ils jouent jamais. Ils aiment bien mais c'est pas ce qu'ils préfèrent. Voilà. Et, je pense qu'ils auraient préféré une petite peluche chacun en fait. Ouais. Ou un sac. Ou les talkie-yoki. Talkie-walkie. Talkie-walkie. Ah, elle arriverait pas à le dire. Ou les pistolets. Ouais, voilà. Ou les dinosaures. Voilà, mais absolument pas ça.
Donc bah, on va le mettre dans Lucati. Voilà. Et on va faire la manche suivante. Oui, c'est parti. Alors Luna est dans un nouveau rayon. Oui. Ça va ? Donc vas-y, tourne trois fois. Et vas-y. Non, c'est une étiquette. Ah bah j'ai plus. Attends, je retourne. 1, 2, 3. T'as touché ? Ouais, t'as touché. Un tir à l'arbalète. Donc okay. C'est à partir de 5 ans. Bah oui. Bah du coup je peux pas parce qu'il y a l'étiquette. Ah, il est coincé. Alors, on va peut-être décaler du coup l'étiquette. Si on peut. Ah et voilà. Et vas-y, tu peux l'attraper maintenant. On n'y arrive pas. Alors on va peut-être l'allonger. Bon, il est vraiment coincé, je crois. Ah non, c'est bon. Voilà. Ça sera pour moi, ça. Hein. Comme tu veux. Parce que j'aime bien ça, là. Les tirs à l'arbalète. J'en avais fait à l'école. Ah oui, c'est vrai. Tu m'emmenais vers là. Un rayon garçon, encore. C'est plus marrant quand tu tombes sur des rayons garçons, non? Bah oui, mais moi, je veux des choses aussi. Hein. Ah bah ça, on verra. Donc, bah, c'est parti, on va passer à la prochaine manche et je vais mettre ça dans le caddie. Voici dans un nouveau rayon. Vas-y, tourne trois fois sur toi. 1, 2, 3. Fais attention qu'il y a une échelle. T'as touché. Oh, c'est le truc que la soeur de papa c'est l'avait. C'est quoi ça? C'est le truc que... En fait, même on l'avait... la soeur de papa. En fait, là, t'as des ballons, il faut le lancer dans le panier, ça va faire comme ça et ça va rouler là. D'accord, je vous montre de plus près. D'accord, oh, ça a l'air pas mal comme jeu. On l'avait déjà fait. Ben, je me rappelle plus, moi. Ça fait 2 ans. Hyper longtemps. Bon, ben, on va passer ça dans le caddie et on se retrouve tout de suite. Alors, Luna, toujours aussi prête? Oui. Allez, vas-y, tourne trois fois. 1, 2, 3. Non, 3, voilà. Allez, vas-y. Oula. Alors, qu'est-ce que t'as touché? Une étiquette déjà? Ça, je sais pas, c'est quoi. Des bonnes chèmes. Montre. Ah, oh, mais c'est... en fait, t'aimes pas parce que... Ouais, j'aime pas ces petites choses-là parce que vous voyez ça, ça se colle dans les cheveux. Et la dernière fois, quand j'étais toute petite, ben, je me suis pris dans les cheveux, on a dû tout couper. Voilà, c'est ça. Enfin, pas tout couper, mais on a dû couper la mèche de cheveux, quoi. Ouais, tout ça, là. Bon, c'est sympa à faire, ça, c'est sûr. Mais alors, pour les filles qui ont des grands cheveux, même les garçons, je dirais. Hein. Bah oui, hein, parce que tout le monde a des cheveux. Hein. Bah oui. Mais bon, les filles, c'est plus compliqué parce qu'elles ont les cheveux longs. De voir les livres en fait. Donc du coup on va faire une prochaine manche. Oui, c'est parti. Il y a un petit piège. Alors Luna, vas-y, tourne trois fois. 1, 2, 3. Et elle tombe dans le piège. Il y a rien de ce côté là Tu peux remettre ton bandeau. Oula. Aïe, elle aussi fait mal. Alors, c'est quoi que tu as touché? C'est un truc miraculous à la poursuite de papillon. Du papillon. Oh, il a l'air trop bien. C'est, en fait, c'est un peu comme un Monopoly. Il faut arriver le premier. C'est vrai. Mais je trouve que tu es un petit peu grande pour ce genre de jeu. Je l'avais déjà quand j'étais toute petite. Alors, je vous montre comment qu'il se présente. C'est à partir de 5 ans. Et plus. Et voilà, derrière, c'est comme ça. Vous avez... un terrain avec des dés. Bah, c'est un petit peu comme Monopoly. Ouais, voilà, on va dire ça.
Donc je pense que ça ira plutôt pour association. L'association, voilà. Donc ben, on va tout de suite. Alors là, j'ai emmené Luna dans un rayon que je pense qu'elle aime beaucoup. Donc tu peux tourner trois fois. Un, deux, trois. Il n'y a rien. Non. Oh, c'est mon rayon préféré. C'est quoi le pack récré? Je ne connais pas du tout. En fait, c'est où... Là, dans ce paquet, il y a des billes, il y a un truc. Un yo-yo, une toupie lumineuse et une balle rebondissante. En fait, tu sais c'est quoi? Non. Tout ça... C'est pour se déstresser. Non, pas déstresser. N'importe quoi, c'est pas pour se déstresser. C'est les jeux, on va dire, rétro. Tu sais ce que c'est, rétro? Ah oui, comme dans les box où on mange, où il y a voilà, des bonbons. Voilà, sauf que là, en fait, tu vois ça? Je jouais avec ça, moi, à l'école, quand j'étais petite, à la récréation. On n'avait pas de téléphone, enfin voilà, on n'avait rien. On jouait avec ça et des cordes à sauter. Bon, on verra tout à l'heure si on le refait ou pas. Il y a les Playmobil que j'aime. Ouais, c'est vrai. Là, c'est le nouveau Playmobil. Ouais. Bon, on fait quoi? On va faire une nouvelle partie? Oui, c'est parti. Enfin, on est en... Voilà, je vous montre un petit peu. T'es toujours prête? Oui. Tourne trois fois. Un, deux, trois. J'ai cru que t'allais tomber. Alors, qu'est-ce que c'est? Des quilles. Ce sera pour tes petits frères. T'es pas contente? Non, t'es pas contente? Non. Tu veux autre chose? Donc, bah, c'est bien quand même. Ici, il y avait le Monopoly. Ouais, il y avait Monopoly, tout ce qu'elle aime bien. Mais bon, c'est pas grave. Tes petits frères vont bien s'amuser, eux. Tu trouves pas? Mmh. Oui. Mais pas moi. Bon, allez, c'est parti, on y va. Mais prochaine manche. Alors, prochaine manche. Donc, je l'ai ramenée vers quelque chose qu'elle aime. Pour une fois. T'es prête? Oui. Allez, vas-y, tourne trois fois. Un, deux, trois. Pourquoi je tombe dans un truc de bébé? Et pourtant, je t'avais mis à côté de ce que t'aimais bien. Oh. C'est le jeu. C'est quoi ça en plus? J'ai un truc pour les bébés. Je peux tomber sur Spirit. Ah oui, j'avoue que ça c'est tout nouveau et c'est vraiment trop chou. Moi je veux Spirit. Pour ceux qui aiment bien Spirit. Moi je veux Chicalinda. On dit pas je veux, mais. Je voulais. Je voudrais. Non, j'aimerais. J'aimerais avoir Spirit, Lucky, Boomerang, Abigail. Voilà. Bon, sinon, tu nous montres ce que tu as touché? Alors, c'est quoi? C'est un tableau où il faut faire exactement pareil avec un dessin. Et il y a un livre aussi. Oui, pour faire pareil sur ça. Bon, bah tant pis, ce sera pour l'association. Voilà. Voilà, pour les bébés. Pour les petits. Donc, c'est parti. Bon, Luna, t'es prête pour la nouvelle manche? Vas-y, tourne trois fois. Touché. Oh, mais c'est nul. Ah bah, c'est le jeu. Donc c'est des Lego Technique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces petites choses là. Mes petits frères, ils avaient ça quand ils étaient petits. Enfin, surtout tonton Flav. Je suis pas tombée sur ça. Ah bah oui, j'aurais préféré tomber sur ça, c'est sûr. Il y a une différence hein, de taille. Hein. Attendez, regardez, là ça fait comme vraiment un bout là. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, ça c'est pour l'association. Oui, bon bah on va donner ça à l'association. Et toi du coup tu voulais ça. Peut-être une prochaine fois. Hein. La semaine prochaine. Bah on verra si on refait une nouvelle manche ou pas. Hein. On va dans un nouveau rayon? Oui, c'est parti. Alors Luna est dans un nouveau rayon. Ça résonne. T'es prête? Donc normalement c'est quelque chose que t'aimes bien. Hein. Ah bon? Oui. Donc bah vas-y, tourne trois fois. Non, là c'est le truc
T'as touché la quoi tasse. Je t'ai pas vu la toucher en plus. La tasse Harry Potter. Elle est trop trop belle. Elle se change en plus. C'est vrai. Cold. Hot. Bon bah une petite nouveauté. Hein. Je la mets dans mon caddie, hein. C'est parti. Oui. Mona, est-ce que tu es prête? Oui. Allez, vas-y, tourne trois fois. Ah, le jeu La Bonne Paye, le tout nouveau. Il a l'air super celui-là en plus. Moi, j'avais l'ancienne version quand j'étais petite. Ah non, il y a la facture. C'est qui paiera la facture? Luna. Non. Luna va payer la facture. Non. Si. On vous montre au dos comment il est. Je sais même pas, je n'ai jamais joué à ma vie. Ouais. C'est vrai que tu n'as jamais joué à ce jeu-là, toi. Près du nouveau Mashmo. Ah, le Mashmo Super Duel. Ouh, ça doit être un truc de fou ce jeu. Pas mal. Et de qui marchera dans la crotte? Non, ne marche pas dedans, c'est ça, ne marche pas dans la crotte quoi. Ouais. D'accord. Mais en fait, c'est de la pâte à modeler. Ouais, il me semble. Du coup, on va le prendre. C'est parti. Pour faire plaisir à Luna, je l'ai ramené vers un rayon qu'elle aime bien. Donc, je vous montre, il est juste là. Voilà. Vas-y, tourne trois fois. 1, 2, 3. Et elle ne va pas y aller. T'aimes bien les jouets de bébé aujourd'hui? Non. Et j'ai pris. Oui, je me remets au même rayon que toi. Voilà. Et t'as pas réussi à toucher. Bon. Je vous montre un petit peu. C'est un porteur pour les petits. Bon, bah, on va le mettre dans le caddie, on se retrouve. Voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je fasse une deuxième partie de. Dans un autre magasin. Voilà, dans un autre magasin que vous voulez et on choisira le magasin et on le refera. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous bisous pour de prochaines aventures. Ciao ciao, bisous bisous.